En el marco de las formaciones CAS dadas en género y desarrollo para África y América Latina que implementa el IHID, hemos desarrollado una colección de 6 videos para facilitar la implementación de la malla de género, que es una herramienta realmente poderosa para la transformación social y la implementación del enfoque de género en los proyectos y programas de desarrollo. Les invitamos a descubrirlo. Taking sanitation as an entry point, the Overdue project sought to understand why gender inequality keeps on being perpetuated on a daily basis across African cities. The web of institutionalization developed by Professor Karen Levy was a critical resource in that respect. It helped us, on the one hand, to understand the key power points where these inequalities are rooted, but also to find ways of developing actions and strategies that can transform these inequalities. We are now really thrilled to see that the experiences of 4 of the 7 cities that took part in the project are being used to show how the web of institutionalization works. This is how it works in terms of diagnosis, but also as a critical feminist tool for action and research. Comment analyser le genre dans la sphère organisationnelle? On s'intéresse dans cette sphère à comment l'organisation gère le genre, notamment à travers la responsabilité pour la prise en compte du genre, les procédures et le développement du personnel. Prenons l'exemple du projet de réhabilitation d'une station de traitement des boues fécales pour la production de biogaz dans une école d'Antananarivo à Madagascar. Quel était le but du projet ? Notre objectif était de réhabiliter une petite station de traitement de boue de vidange proche d'une école primaire publique dans un quartier populaire pour récupérer du biogaz pour la cantine scolaire et du compost pour le jardin potager de l'école. Situer la responsabilité pour la prise en compte du genre, on identifie qui sont et où sont placés les responsables ou points focaux genre. Quel est leur rôle, leurs compétences, leurs valeurs, leur pouvoir d'influence sur les politiques et les budgets. Et enfin, quels sont leurs budgets, procédures et outils pour travailler. Nous retenons de l'analyse que les points focaux genre sont des personnes qui ne peuvent pas décider. Leurs connaissances et leur savoir en termes de genre sont insuffisants. Ils n'ont pas de mission définie à leur poste. Leur responsabilité pour le genre est secondaire. Elles ou ils n'ont pas non plus forcément la capacité d'influencer les décisions de leurs supérieurs. Ni la structure responsable du genre, ni les personnes affectées au poste ne disposent d'espace de négociation pour faire une quelconque pression pour l'intégration effective du genre, même au sein de leur organisation. Ils n'ont pas de budget propre, ni de feu de route pour mieux faire en termes de genre. Nous appliquons ici une analyse de genre sur les procédures internes qui régissent la gestion des politiques et des programmes, la gestion du personnel, la gestion spécifique des questions de genre, mais aussi sur les procédures externes régissant les relations avec les partenaires ou les citoyens. On a essayé de repérer d'abord les principales procédures internes à l'organisation pour le développement, mais aussi la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des plans d'assainissement. Exemple, les indicateurs, les cahiers de charges,
les agents techniques, etc. Nous avons identifié des procédures qui représentaient des formes de résistance ou des freins par rapport aux changements nécessaires à la promotion de l'égalité de genre. En fait, c'est possible de recruter les femmes, mais avec les paperasses qu'il faut présenter, des fois ça devient des freins à la participation des femmes aux activités rémunérées et aux activités formelles. L'analyse genre du développement du personnel s'intéresse à la fois aux équipes, leur composition sexo-spécifique, aux différents niveaux de l'organigramme et selon les métiers, leur niveau de compétence en genre et leur accès à la formation sur le genre, et aussi leurs apports aux projets, politiques, méthodologies. On s'intéresse aussi à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, égalité des salaires, égalité des chances et mobilité professionnelle, mixité dans les postes et les tâches, articulation des temps de vie et bien sûr, lutte contre les discriminations et les violences sexuelles et sexistes au travail. Pour ce qui concerne les compétences en genre des partenaires, nous avons vu des obstacles qui bloquent l'intégration effective du genre au sein des organisations. En fait, les personnels des partenaires ont reçu des formations. Ils connaissent les outils, ils peuvent les citer, mais dans l'opérationnalisation de ces outils, il y a problème. Désagréger les données, c'est d'accord, mais après la désagrégation, qu'est-ce qu'on fait des résultats? C'est là les questions de compétences qui ont été observées. Sur le plan de l'égalité professionnelle, nous avons constaté que les inégalités subsistent et le stéréotype de genre est encore difficile à déconstruire. Les décideurs sont des hommes et les femmes sont des subalternes. On a vu des efforts en faveur de l'égalité des chances, par exemple pour faciliter l'accès des femmes aux formations. Les femmes montrent souvent plus de disponibilité pour approfondir le genre. Toutefois, elles attendent parfois d'avoir le temps et d'être moins prises par leurs obligations reproductives pour accepter de valoriser leurs compétences.